Ah oui, ah, le doux vent d'un blizzard glaçant. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc il fait bientôt nuit. Nous sommes plus ou moins en pleine forme. Ça, c'est parce qu'on a, dormi un peu avant. Je comptais en fait partir maintenant directement pour notre camp, mais bon, on peut pas. Bon, bref, dans les épisodes précédents, on a fait beaucoup de la map. Donc on avait trouvé le point stratégique là, avec le Polaroid, tout ça. Donc on venait de là. Puis après, en fait, on a décidé de partir. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti de là, où c'est qu'on avait tué l'élan. On a fait ce chemin. On avait en fait plusieurs choix. On pouvait faire ça et après revenir, mais on a décidé de faire ligne droite. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé. On a fait ça comme chemin. On s'est retrouvé là. On a trouvé une grotte de glace. Après, on a essayé de descendre en fait la map ici. Bon, c'était trop haut et tout ça. C'est vraiment pas pratique. Cette zone, elle est vraiment contre ma façon de jouer, honnêtement. Donc là, il y a des boulots encore à récupérer. Enfin bref. Donc du coup, on a décidé de prendre la grotte de glace. Et ce qui est marrant, c'est que on a retrouvé des tracés de peinture, enfin des flèches de peinture dans la grotte et on est tombé ici. Donc maintenant on est là et nous notre plan c'est d'aller là, d'aller ici, après de remonter, d'aller voir pour ce camp-là si on a laissé des choses et après une fois ça fait on rentre à la maison tout simplement. Donc voilà, on fera ligne droite, on ira peut-être à la grotte pour se cacher. Et puis après on revient là. Donc voilà, c'est ça notre but pour le moment. Donc on doit aller à cet endroit-là à tout prix. Donc on a plusieurs, on a pas, non, on n'a pas vraiment plusieurs chemins. On a juste à prendre cette corde-là. Et ça va être un peu un problème parce qu'on est un peu lourd. Mais ça devrait quand même passer avec la viande, l'eau en moins et tout. Donc on va voir ça. On va voir ça. Alors j'espère déjà qu'il fait beau. C'est le principal. Voilà. Alors c'est la nuit, c'est pas le meilleur moment en fait pour se balader, mais il fait un peu froid quand même. Ok, on a enlevé ça, très bien. Parce qu'il y a des loups, j'ai pas envie de perdre le cache-oreille. Donc ça c'est la corde. Donc faudrait qu'on rentre dans notre grotte. Et après on sera tranquille. Ok. Parti. Voilà, j'avais dit, hein, on sera bon niveau poids. On sera bon. On est vraiment limite limite, hein, mais on est bon. Voilà. On a bien tout, hein. On a le sac de couchage et tout ça. Ouais, on a tout. C'est pas un loup ça devant? Non. Alors là-bas, on avait tué un loup. Alors, je me demande si on devrait pas passer par là, parce qu'il y a des troncs d'arbres. Ou alors, non. Non, comment on était redescendu? Comment on était descendu ici, en fait? Par là-bas, non? Genre, on peut pas remonter avec des arbres. Ah oui, celui-là, là. Celui-là en biais, là. Ça. Ouais, on va remonter par là. Voilà, très bien. Très, très bien. Donc on est de retour ici. Donc on a un peu d'eau. Bouteille d'eau. On a ça. On a ça à prendre. Peau, fourrure séchée. Boyau séché. Bah on n'a qu'à faire à manger. Ah, on n'a pas de bois. On a que ça quoi.
Non, si, ça va, on a le charbon aussi. Oui, non, ça va, on va faire de l'eau. On va faire cuire ces deux morceaux de viande et on va faire de l'eau. Comme ça, on en aura de côté. Je vais voir si on peut pas coudre directement nos vêtements avec la peau de cerne. Ah, très bien. Voilà, on s'installe. Une heure. Parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, pourquoi pas le faire maintenant, ça. Ça fait combien? Ça fait 1 kilo? Ah, 50. Ah, c'est pas très lourd, en fait. Parce que là, si on réfléchit, on arrive déjà à 40 avec le matelas, ok? On est à 40. Donc. Donc, on va avoir ça en plus. Donc, 0,50. Après, on a quoi? 0,20. Ça fait 2, 4, 6, 8, 10. 1 kilo, 1 kilo 5 en plus. Oh, on pourrait faire les fourrures de les lapins. Ah, on pourrait faire ça, tu vois. La scie, je pense qu'on va la prendre aussi. La peinture, on la prend. Très bien. On va coudre les lapins. Tout ce qui est en lapin. Ça, on va faire de l'eau après. Parce que les lapins, c'est pas très compliqué à prendre en fait, à récupérer. Et à trouver. Donc bon, autant le faire. Autant utiliser ces... ces peaux là, on va faire ça et ça. Très bien. Et après la peau de cerf, on va la prendre sur nous. Parce que les lapins c'est quand même assez... c'est pas très rare. Donc c'est pas grave. Parce que, en fait faut penser à ça, c'est que si on répare maintenant, on va quand même perdre. Parce qu'on va réparer genre 40% en fait en tout. Donc si on répare pour 10%, bah, y a quand même 30% de gâché. Mais... Donc c'est pour ça qu'à la limite, autant utiliser les choses communes, qui sont comme les lapins par exemple. C'est pas très rare. Ok. Voilà, très bien. Très bien. Réparer. Et voilà. On va encore refaire de l'eau. Ça se passe nickel, ça se passe nickel. Donc là c'est bien, on a utilisé les boyaux plus les pots. Donc il reste plus que ça à prendre et après on pourra partir. On va prendre aussi comme j'ai dit la scie. Et on va partir, on sera à 41-42 kilos. C'est pas grave. Ça sera bien. Après on pourra revenir ici. Mais je pense comme j'ai dit, cette zone on a fini quoi. Après on pourra toujours revenir pour refaire la map, pour la faire tout entière et tout. Mais c'est pas vraiment intéressant. On va dire que le but de notre exploration maintenant, parce que vu qu'on a tout fait, tous les outils et tout, on n'a pas vraiment de problème. Le but vraiment c'est de faire les polaroïdes. De faire les photos instantanées. Je crois que ça va être ça vraiment. Donc quand on reviendra à Milton, on va... Je sais pas trop quoi faire, Milton. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les fûts de flèches, on en fait des flèches.
Ouais, on peut faire ça. Et après, on rentre. On rentre. On ira peut-être chasser, refaire nos vêtements. Mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire à Hamilton. On a fini, quoi. On a fait le Polaroid aussi. Donc, on a fini. Donc, on retournera au lac Mystère, je crois. On retournera au lac Mystère. Lac Mystère, ça va être notre, comme j'avais dit, notre point de repère, vu que c'est un peu en haut, un peu autour de... Enfin, au milieu de tout. Par contre, après, pour les Polaroids, je suis prêt à revenir pour Muskegmorn et voie ferrée détruite. Il y en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 zones. Il y a 11 Polaroids. Donc, je sais pas trop où elles, les zones où il n'y en a pas. J'imagine qu'il y a des zones où il n'y a pas de Polaroid, mais je sais pas lesquelles c'est. Donc ça c'est un peu embêtant par contre. Faudrait que... Peut-être que j'irai voir sur internet. Juste pour savoir quelle zone faire en fait. Parce que si on fait des zones où il n'y a pas de Polaroid et que je cherche pendant 50 épisodes, ça sert à rien. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la limite on pourrait faire ça. Ah, très bien. Ça à réparer. Faudrait qu'on dorme une partie de la nuit quand même. Non, ça on a le temps, voilà, ça va. L'eau va être finie. Donc on va prendre l'effet tout. Ça fait 2 kg, on va prendre la 6, ça fait 3 kg. 3,5 et après 4,5. 4,5. Plus le matelas. Ouais, ça va faire beaucoup, hein, mais bon. On va se débrouiller. Et plus, ouais, ouais, non, ça va. Ouais, non, ça ira, ça ira. De toute façon, après, on rentre, on trace. Donc, on va pas rester 3 heures. Ah oui, un truc qu'on pourrait faire, c'est poser la peau, en fait. Même les bois, on peut les poser. Mais les bois, c'est pas grave. Les bois, on en a plein qui sont déjà prêts. Je l'ai réparé un peu pour rien, je sais. Mais... Allez, on va dormir. Et on est prêt pour partir. On va peut-être devoir attendre s'il fait encore nuit. Ah, ok. On va pas partir maintenant. On va pas partir maintenant. Donc on va aller là-bas et on prendra donc le rocher là. Le rocher, l'arbre. On prendra l'arbre pour remonter. Bon, je crois qu'on va devoir attendre dans le lit.
Eh, moins 2. Il fait aussi froid que ça. On est à l'arrière de la grotte et il fait moins 2. On est à moins 30 protégé du vent. Il fait combien du coup? Moins 54. La vache. Moins 54. Intéressant. Ah oui, elle est en pleine forme. Je dirais que, ouais, peut-être un deuxième vêtement en peau d'ours. Serait peut-être pas de refus. Peut-être. Peut-être, je dis, on sait pas. Pour gagner le plus de degrés. Je vais voir un peu. Fait froid, fait vraiment vraiment froid. Il fait vraiment vraiment froid. J'ai envie de faire un feu mais pour boire du truc, mais je sais pas si ça sert à quelque chose, honnêtement. Je sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose, parce que ici il fait moins 20. C'est pas... Ça a pas vraiment changé grand chose, quoi. Mais ça s'améliore, le temps s'améliore. Le temps s'améliore. Bon, je crois qu'allez, on va partir. On va attendre encore une petite heure et on y va. Voilà. Allez, on y va. Ok. 46. Putain. Ça fait lourd. Hein. T'as à moins 13. On a un autre endroit où on va devoir s'arrêter, donc c'est en haut, au camp là avec l'igloo. Alors l'igloo va sûrement être détruit par contre, donc on va pas pouvoir vraiment rester. On est un peu une sorte de tank là. On est lent mais on a beaucoup, beaucoup sur nous. Donc on va prendre tout cet arbre. Donc faut faire gaffe parce qu'il y a... Il y a du loup. Donc on va être là. Il faut continuer comme ça. On a tout pris, hein.
Aïe, on a fait. Ok, est-ce qu'on peut... Il est à 2%. Ok, on peut se réchauffer là. Il est à 2% l'iglo. On peut dormir peut-être une heure. Yeah. Ok, c'est bon. Le temps de se réchauffer. Et de passer le temps. Ok, on est en pleine forme, on a passé le temps. Très bon, on va m'en boire. Ok, let's go. Donc c'est dans cette direction. Attendez. La rivière est là, donc on fait l'opposé de la rivière, on fait comme ça. Faut pas aller là, faut aller là plutôt. Faut pas se louper, hein, parce que sinon on est perdu. Hein. Merde, ok, déjà ça commence mal, parce que là je vais vers la corde en fait. Donc je vais vers là, donc il faut aller comme ça. Chute d'eau, elle est là, je crois. Donc c'est vers là-bas. Il y a un loup en pile devant. Ok, donc ça doit être là-bas. Je suis en train de tourner en rond. Encore les champignons. On va utiliser une bombe. On va encore un peu avancer. On va utiliser une bombe pour le marquage. Pour être sûr. Je suis pas trop craintif là, on n'est pas vraiment... Le temps est bon et tout ça, mais j'ai pas envie de me perdre. Il y a un cerf là. Je crois qu'on est dans la bonne direction. Je crois qu'on est dans la bonne direction. Pas vraiment. Donc je serais plus vers là. Genre là. Je crois. Oh, on peut pas garder la carte dans la main tout en avançant. Oh mon dieu, ce jeu. Ce serait tellement utile. Ah, elle va se péter une jambe. Thank you.
Par là, tu crois, monsieur le cerf? Ah bah si, merci. C'est ça, et là ça remonte avec la... Vous savez, au début, la rivière là qui tombe. On est bon. Yes! On va avoir froid, c'est pas grave. Lac en cascade. C'est bon. C'est bon, on est dans la bonne direction. On se permet parce qu'on va être dans la grotte dans pas longtemps. Cool. Donc on a survécu à cette zone. C'est... On va dire que le début était un peu surprenant. Comme j'ai dit, vu que ça monte, ça descend, on a vraiment une visibilité horrible par rapport aux menaces. Donc c'était vraiment ça le plus gros défi au début. Mais ouais. On en ressort gagnant. On a récupéré des pierres aiguisées, on a récupéré... Ah, du bois, il y a toujours ce bois là à récupérer, mais on va pas y aller parce que maintenant c'est trop loin. On a récupéré quoi d'autre? Des nouvelles chaussettes. On a perdu et récupéré un cache-oreille. J'ai envie de chasser le lapin aussi. Peut-être. Donc ouais. Non, ça va, c'est bien passé. C'était pas mal. C'était pas mal comme aventure. On a fait la photo. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a récupéré une peau d'élan, même si c'est pas extrêmement utile, honnêtement. À la limite, j'aurais peut-être voulu plutôt une peau d'ours. On a vu un ours à un moment. On a vu un ours, mais on l'a plus jamais revu, en fait. On l'a vu quand on était la toute première fois qu'on est venu ici. On l'a vu en hauteur, je crois. Mais après, on l'a plus vu. Mythe, oui, j'aurais bien voulu échanger ma peau d'ours contre un pot d'élan. Contre la peau de l'élan contre la peau d'ours. Ce serait pas mal rajouter des NPC, de faire ça, par exemple. Hop, vous ramenez 30 kilos de viande, ils vous donnent quelque chose, genre un vêtement. Vous ramenez 30... Enfin, je sais pas, ou alors une peau d'élan, il vous donne une peau d'ours, un truc comme ça. Ça peut être pas mal, hein, le rajout de NPC, hein. Ça peut être vraiment pas mal. Hein. Genre chaque 10 jours, ça change. Ça peut être intéressant. Ça donnerait un peu de vie et un peu de choses à faire dans le monde. Un peu de but. Genre... je sais pas, par exemple, aujourd'hui, cette semaine-là, le NPC vous donne des flèches. Donc vous allez chasser pour récupérer des flèches. Et on a notre lampe ici. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Ça, on va le jeter du coup. Il y a plein de choses à faire dans le jeu. Un peu lourd, mais bon.
Est-ce que ça valait le coup, vraiment, de faire cette zone? Honnêtement... Je suis pas vraiment sûr que ça valait vraiment le coup. Parce qu'au final, on a gagné surtout, c'est des chaussettes. Voilà. C'est des chaussettes d'escalade. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, mais bon. Est-ce que... Hein, est-ce que ça valait les, genre, les 5-6 heures qu'on a mis là-dedans? Je sais pas. Mais bon, c'est fait. Et après, comme j'ai dit, je suis sûr qu'il y a encore d'autres caches humaines, hein, genre avec les igloos, là. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais on y reviendra un jour, peut-être. Comme j'ai dit, je suis en train d'hésiter, là. Est-ce qu'on fait un vêtement de l'ours encore? Comme ça, on en a deux. Je sais pas. Au lieu d'avoir de la cape de l'élan, là. Le problème, c'est que réparer les vêtements d'ours, c'est très embêtant. À chaque fois, il faut une... Attendez. Ah, elle m'en voit rien, en fait. D'accord. Je pensais qu'on pouvait mettre la lampe au sol, mais en fait, on voit rien du tout. J'espère qu'on va pas avoir de surprise. Sinon on pose un lapin. On pose un lapin, vous avez compris. Genre poser un lapin et... Genre poser un lapin. Voilà, voilà. Bienvenue, bienvenue chez les clowns. On s'amuse, hein. Bon, ça va, ça a l'air d'être tranquille. Nous y sommes bientôt. En plus, il fait un super temps, on n'a pas besoin de... Il fait pas froid du tout. On peut vraiment rentrer et dormir. Tada! Nous sommes rentrés dans notre premier camp. Nous sommes rentrés dans notre premier camp. Donc ça. Voilà, ça c'est la peau d'ours qui est maintenant sec. Très bien. Ça, il faudrait vraiment la casser. Pourquoi ça me dit... Ah oui, c'est parce qu'on a 45 minutes. J'ai envie de la casser. J'ai envie de la casser, elle me dérange d'être par terre comme ça. Voilà. On n'a qu'à mettre le métal ici. Alors, on a du bois, on a 5 bois secs, on a ça, ça, ça. Regarde-moi le nombre de flèches qu'on peut faire. Qu'on mange aussi. Voilà. Hop, une bombe de 2000 calories là. Ça fait du bien. Il n'y a pas d'eau par contre ici, je crois. J'ai rien dit. On a tout ici. On pensait à tout avant de partir. Vraiment à tout. Elle est fatiguée? Non, c'est juste parce qu'on est lourd en fait.
Donc tout ça c'est sec. Mon dieu, tout ce qu'il y a. Ça, ça, ça. On a la peau du cerf. Ok, très bien. Alors. On a les plumes. Ça, c'est bien qu'on en ait récupéré. On a les plumes. On en a ça. 4, 5, 6. On a 3 fûts de flèche. Intéressant. Je suis en train de choisir ce qu'on doit faire. On pourrait faire des flèches. Après, on a les lapins à prendre et à dépecer. Voilà. Donc maintenant, on a 5 flèches à 100%. Après c'est un peu la merde. Ça là on pourrait la refaire. Faut qu'on fasse des fûts. On pourrait même les casser, ces 3 là, 3, 4 là, et les refaire à 100%. Ça va prendre beaucoup de temps. Enfin ça fait beaucoup d'heures en fait passer à l'intérieur, ce qui est un peu embêtant. Mais du coup ça serait plutôt cool comme ça c'est fait quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Okay, très bien. On va dépecer tout ça, tous les lapins. Pas besoin de boire, rien. On va tout faire à la main direct. On a des boyaux dans le coin. Je vois strictement rien. On va juste poser où je suis parce que je vois rien. On va faire ça. Ça. La viande, on va la mettre dehors. Parfait. On va poser le boyau et la peau qu'on a. Pourquoi on est aussi lourd? Ah oui, on a la lampe et tout ça, c'est vrai. C'est vrai. On a aussi les livres. Livres qui nous servent à rien. Ça aussi on en a beaucoup. On va manger ça. Bon, c'est bien, elle commence à être fatiguée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va ramener en fait à la maison? Qu'est-ce qu'on va ramener? J'ai envie de laisser une scie ici aussi. Ok. Attendez, on va encore un peu faire des choses. Ouais, je pense qu'on est bien. Donc ce qu'on va faire, on va ramener la peau à la maison mère là de Milton. Mais avant ça, on va rester un peu ici pour faire les flèches, pour refaire toutes les flèches. Et après on partira, je crois qu'on va faire ça. Après on partira. Pour la maison, c'est ça que je veux dire. On va d'abord faire les flèches et après on partira pour la maison. Avec toutes les peaux.
Voilà, parfait. Non. Le problème c'est quand même que c'est bien loin de faire les flèches, hein. C'est très très long. Ça c'est un vrai problème. J'ai peur qu'on ait l'enfermement là. Ça serait débile quand même d'avoir l'enfermement maintenant alors que on est resté dehors et dans des grottes pendant je sais pas combien de temps. On va d'abord boire. On a encore deux flèches sur l'établi, on va les prendre sur nous. Comme ça. On voit un peu le combien on en a en tout. On a un temps pourri, il faut qu'on prenne à manger. Là on a ça. Très bien. Va falloir, comme j'ai dit, on va essayer de refaire nos vêtements avant de partir. Ça va être le plus important. Et après... Et après on partira. Donc comme j'ai dit, je sais pas exactement où on va. On repart au lac Mystère, j'imagine. Et on essaye de trouver le... Ouais, on peut essayer de trouver la... La photo au lac Mystère. On l'a pas la photo au lac Mystère. On a la photo que de Milton et... la zone qu'on vient de faire. Ouais, on pourra aller trouver la photo au lac Mystère. On retournera au lac Mystère, ce sera notre... Vu que c'est notre camp un peu principal, on retournera là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, les flèches. Alors on en a 10 à 100%, on a ça. On en a encore 2, on va encore en faire 2. Hop. Et après j'ai envie de casser les autres, honnêtement, j'ai envie de les casser. Mais bon, j'ai l'impression qu'on va quand même les utiliser. À la limite, j'ai envie de refaire celle-là, comme ça elle ira dans le stack. Et ces trois-là, on les garde... Je sais pas. Je sais pas. Comment on fait un arc ? Je me rappelle plus comment faire un arc. Deux boyaux séchés. C'est long pour faire un arc. 6 heures. On va faire un arc à 100%. Comme ça, on aura un arc à 100% quand on repartira de Milton. Ça sera cool. Non, c'est une bonne idée, non? Là, on va voir le mal de l'enfermement, c'est obligé. On passe trop de temps. On passe vraiment trop de temps. Ce qui est pas vraiment logique. Je sais pas, quand tu passes deux semaines à l'extérieur, puis après tu passes 2 jours à l'intérieur, tu deviens pas fou quand même. Je sais pas.
Mais bon, on va voir. Par contre, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Là, on est... C'est bête, parce que là, on est reparti dans le moment où bah, j'ai pas grand-chose à faire, donc je sais pas quoi faire. Vraiment, le truc... Épave d'avion... Pour retourner au lac Mystère, par contre, on prendra un autre chemin, parce que nous, on est venu d'ici. On est venu de là. On prendra... Ça. Ça. On fera comme ça. Espace pique-nique, on prendra la corde et après il y a la corde ici. Et après on partira. Bah, je crois que c'est cette grotte en fait, non? Enfin bref, on passera par là. Comme ça, ça nous changera un peu le chemin. On changera un peu le chemin. Par contre, oui, du coup, je sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est pas fatiguée, elle est pas assez Elle est pas assez fatiguée. On peut peut-être aller prendre le lapin. Comme ça, ça nous fait un peu passer le temps. Et ouais. Donc toute notre flèche, ouais, toutes nos flèches, elles sont faites maintenant. On en a cassé certaines pour en les remettre à 100%. On a plein de bois. Je crois qu'on va en laisser un peu ici des bois, mais on va quand même en ramener au lac Mystère. Oh putain, j'ai cru que c'était un ours énorme ça, oh la vache. Mais je crois qu'on va en ramener quand même. Pour avoir des flux, des fûts, pas des flux, des fûts. En réserve. This stuff will come in handy. Elle a bien utilisé les flèches. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre à prendre? Je sais qu'il y a des loups dans les parages, donc faut faire gaffe. Oh. Y a pas des lapins ici? Si, il y a des lapins. Ouh, très bien ça. Très bien. C'est aussi pour faire un peu les flèches en fait. Non, on a bien fait de pas toutes les casser. Bah voilà, ça c'est... Là c'est une petite sortie tranquille. Trois lapins. Des écorces là aussi, ça c'est bien. C'est rare. Il fait pas froid.
Et ouais, je suis de plus en plus en train de me dire qu'un manteau de en ours, en plus, ça serait bien. Je suis en train de me dire ça de plus en plus, en fait. Si quelqu'un a une liste hein, des endroits où où il y a les photos, hein, dites-le moi. Comme ça, on ira à ces endroits et on ira les chercher. Après, j'ai dit qu'on retournerait aussi à l'enfer là avec les loups gris. Mais on passera par un autre chemin pour récupérer un code. Donc j'ai envie de faire ça aussi. Et après, aller au mont Timberland. Là. Ça, c'est comme ça que ça s'appelle? Timberwolf. Timberland, non, c'est un chanteur. Un rappeur. Timberwolf. Et voir un peu ce qu'il y a là-haut. Il faudra prendre une scie. Parce qu'il y a plein de caisses à ouvrir. Donc ça peut être intéressant d'y aller. Voilà, peut-être qu'on pourra trouver des objets. Peut-être qu'on pourra trouver des objets intéressants. Donc faudra faire ça. C'est une zone dure, mais honnêtement, on a fait une zone qui était déjà très difficile. Donc maintenant, je sais plus ce qui est dur et ce qui est pas dur. Donc ça veut tout et rien dire. Ah merde, c'est vrai que... On a les boyaux qui sont en train d'être créés pour... utilisés pour... l'arc. Je sais pas pourquoi je suis sorti de du menu pour faire ça. Okay, on va pouvoir dormir. Ah, on pourra faire du feu et faire cuire notre viande aussi, on en a quand même un peu. Ah, très bien, on va poser la peau aussi. Pas les boyaux, parce que je sais pas lesquels sont utilisés pour faire l'arc maintenant. Donc on va faire la peau. Touk, touk, touk. On va dormir. On a de la nourriture sur nous? Non, on a pas. Non. La porte. Donc ouais, il y a plusieurs solutions. Bon, comme j'ai dit, d'abord on va faire l'arc mystère pour trouver la photo. Puis après, on aura le choix ou Timberwolf ou alors les loups gris. Je sais pas, quelque chose de fun pour s'amuser. C'est pas fun. L'un ou l'autre, c'est vraiment pas fun, mais... mais voilà, histoire de faire une aventure. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on finira l'arc la prochaine fois. La prochaine fois va peut-être pas être super excitant, ça va être le retour donc à la maison de Milton. La maison ici, ça va être le retour là. On va faire... Tiens, il y a un arbre à prendre. On va refaire nos vêtements si on en a besoin. Ça, il faut qu'on le range. Refaire nos vêtements, il n'y a pas grand chose en fait à refaire. Ce qu'on a tout refait, il y a juste, oui, les bottes à la limite avec la peau de serre. Mais c'est tout ça, on l'a fait, ça on l'a fait. Ça c'est en bon état, ça c'est en bon état, c'est du tissu de toute façon, on s'en fout. Là, les pantalons sont en très bon état aussi, les chaussettes aussi, on a un nouveau cache-oreille. Ouais, après, il y a les grosses choses comme ça qui sont un peu bas. Mais bon, à la limite, oui, j'ai envie de dire que pourquoi pas économiser les peaux d'ours, qu'on en a une déjà là, il faudra en prendre une deuxième. Et pourquoi pas recréer encore un manteau. On gagnera en protection de vent, on gagnera en degrés, on va perdre 10% contre la pluie, c'est pas très grave. On va se prendre encore un petit kilo en plus, et on va perdre un peu de défense par contre, de protection quand on se fait attaquer. Et surtout on va se prendre encore un moins 10% de sprint. C'est embêtant, c'est sûr que c'est embêtant, les malus, mais je pense que ça vaut le coup, les bonus valent le coup, donc je crois qu'on va faire ça.
faudrait... Je sais pas. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Parce que de toute façon, il fait vraiment froid maintenant à chaque fois, donc autant tout miser sur les degrés en plus, je dirais. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'est bien passé, on est de retour. On a fini cette zone maudite. On a fait le Polaroid, c'est qui est cool. Et donc du coup, maintenant, on continuera donc sur Milton, comme j'ai dit. On va s'occuper de tout notre équipement. Et après, on partira donc pour le lac Mystère. On trouvera le Polaroid au lac Mystère. Et après, au moment où on aura fait ça, que ça sera fait, on ira autre part. On fera une autre aventure. Donc, ou Timberwolf, ou alors autre part, genre les loups gris peut-être. On verra ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.